tout le monde était très heureux de se retrouver là-dedans. D'ailleurs, les gens n'étaient pas pressés. Mais mon Dieu, un petit incident, un déraillement, bon, bah, tout le monde descendait et puis donnait la main à tourner les criques pour pouvoir remettre les voitures sur la voie. C'est vrai que quelquefois, le train prenait les gens comme ça en route. Ah oui, on faisait un petit signe de la main. Que ça arrivait. On ne peut pas dire fréquemment, mais enfin ça arrivait de temps à autre. Quand un voyageur arrivait avec trop de retard et qu'il se trouvait sur le parcours, eh bien, le mécanicien arrêtait et puis le voyageur prenait le train. C'était un petit train bon enfant. Oui, c'était très bon enfant. Inauguré le 11 septembre 1913 par Raymond Poincaré, président de la République, le Transcorésien accomplissait son dernier voyage au soir du 31 décembre 1959. Près de 50 années de souvenirs d'histoire locale restaient vivaces aujourd'hui avec les derniers témoins de cette sorte d'épopée. Reliant Tulle à Ussel, s'attardant parfois en quelques lieux riches en truites ou en rosées des prés, le tout arrosé bien sûr de petits canons, le taco, comme on l'appelait alors, était pour tous le petit train du plaisir, une façon de vivre en quelques heures ses rêves d'évasion ou d'aventure. Le taco qui, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, a quitté l'histoire pour entrer dans la légende. Pour nous, c'était le train, c'était pas le taco. Non, ça a été les jeunes qui venaient de la ville, qui venaient en vacances chez les parents, de la famille, quoi, là-bas, dans notre village. Dans notre village. Alors ceux-là, ils ont commencé à l'appeler le taco. Mais nous, ça nous vexait un peu. La décision de construire le Transcorésien répondait à une nécessité économique et sociale des plus évidentes. Au début du siècle, la plupart des moyennes et grandes villes étant desservies, il fallut bien songer aux besoins des populations locales devant notamment procéder à des échanges de produits et à l'expédition de récoltes excédentaires. Il en aurait mauvaise grâce à dire aujourd'hui qu'il n'a servi à rien. Parce qu'en fait, la région de la Pau que vous connaissez, de la Pau, de Neuvic et d'Ussel, est une région très boisée. Il y avait à l'époque des tas de bois qui étaient parfaitement inexploitables puisqu'on n'avait pas de moyens d'aller les chercher dans le fond des gorges. Et il a permis d'exploiter à la fois les travers de chemin de fer, ça servait pour les grandes lignes, et puis celles qui étaient un peu plus petites, de mauvaise qualité, servaient au taco lui-même. Il y avait les étés de mine, les pins, le pin sylvestre, la Pouille en avait beaucoup, et ça servait à alimenter les mines du Cantal, les mines du Puy-de-Dôme et les mines de la Loire. Le taco, ça n'était pas seulement un attelage de fer et de feu s'essoufflant sur des arabesques de rail. Le taco, qui faisait vivre une soixantaine de familles sur son parcours, sans compter les extras, faisait lui aussi partie de la famille. Il était comme un véhicule d'idées, de pensées, de contacts, un porteur de nouvelles qui, même à 40 km/h, allait bon train. On voyait du monde, et ben, on discutait, on était en famille, quoi. Et puis c'est tout. J'ai fermé la gare en 60. Oui. Ben, je vous assure que j'en ai pleuré. Ouais. C'était. Pour moi, c'était déchirant, quoi. C'était un taco qui a travaillé. Et nos petites machines, vous avez vu ça, elles grimpaient les côtes, parce qu'on a des côtes rudes. Hein. Mmh. Oh là. Des fois même, elles redescendaient parce qu'elles ne pouvaient pas les grimper. Moi, je me suis dit, ça grimpait bientôt. Tout, oh là.
Ouais. Pas de problème. Ça vous plaisait, cette vie-là? Oui. Même quand je les ai quittés à remords, seulement pourquoi je les ai quittés? Parce que tout à l'heure, on me demandait si je buvais. On avait trop d'occasions pour boire, et je buvais trop. Et tous les docteurs me disaient, le vin te fait pas mal, mais il faut cesser de boire tout le temps, tout le long d'une journée. Parce qu'on buvait tout le soir, tout le matin. Mmh. Alors, je dis, et moi qui mange rien. Alors, je dis, j'irai plus, j'avais l'entérite, j'étais malade. C'est-à-dire que le taco s'arrêtait à tous les petits bistrots. Tous les gars, il y avait quelqu'un qui payait un canon. Vous n'alliez pas au café avec les hommes? Des fois. Ah, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Alors, tranquille. Les petits coups, bien sûr, mais au-delà de l'anecdote, le courage des hommes, et en ce temps-là, peut-être, leur motivation. Témoignage de cette épopée demi-séculaire, le viaduc des Rochers Noirs, construit pour le passage du train. Un travail de titan. Aucun moyen motorisé n'existait à l'époque. Donc, l'outil principal était le treuil et le treuil à main, qui permettait d'envoyer les matériaux de l'autre côté en faisant glisser une petite benne, qui était d'ailleurs un énorme seau, puisqu'on n'avait pas des bennes perfectionnées à l'époque, et qui servait au transport du personnel d'ailleurs. La même chose, puisqu'on descendait les ouvriers de l'autre côté avant les matériaux. Et alors ce viaduc a été construit spécialement pour le transcorésien? Spécialement pour le tramway, la ligne de... appelons-le le transcorésien, puisqu'il a été déjà baptisé comme ça. Ou le taco. Mais plutôt pour le tramway départemental. C'est ça. Le chemin de fer à voie étroite de Tulle à Ussel. On déraillait à toute heure de la journée, de nuit, et à tous les temps. Eh bien, on était dans la cambrousse. Il fallait arrêter le train pour partir. Eh oui. Vous déraillez souvent? On déraillait assez souvent. Et c'est nous qu'on a raillé le train. En plein mois de février, avec un froid de canard, le lycée a été licencié pour épidémie. Et évidemment, on m'a expédié vers mes parents. Et j'ai pris ce fameux train à 4 heures, ce jour-là. À quel endroit? À Tulle. Oui. 4 heures. De l'après-midi. De l'après-midi, oui, jusqu'au mortier, c'est-à-dire un mi-parcours, tout a à peu près bien marché. Mais à partir de là, il y avait de la glace sur la voie. Résultat, les boîtes à sable devaient être gelées, pas de sable. Ils ont patiné, ils ont épuisé toute leur vapeur, ils ont épuisé le charbon. Il a fallu s'arrêter un peu partout pour récupérer de l'eau dans des mares et du bois de chauffage sur le bord de la voie. Finalement, on est arrivé à Marcillac, il devait être à peu près 9h30. L'ascension de Marcillac a été épouvantable, puisqu'à Marcillac, le train patinait, il est redescendu en marche arrière 3 ou 4. Finalement, nous sommes arrivés à remonter, et une fois dépassé la phage, eh bien, c'était à ce moment-là la voie qui s'écartait, il y avait des traverses pourries, et le train déraillait. Alors, vous êtes arrivé chez vous à quelle heure? Donc, je suis parti à pied, tout simplement, en suivant la voie. Et je suis arrivé à La Plot à minuit, à pied, après avoir fait 8 km à travers. Et le train ne vous a jamais rattrapé? Jamais rattrapé. Il est arrivé entre 1h et 2h du matin pour repartir à 6h, d'ailleurs. Eh bien, voilà, je vous ai trouvé une bonne place dans un bon compartiment où il y a une grosse dame et un vieux curé avec une barbe blanche. Et puis, je vous ai acheté 2 livres. Oh, c'est gentil. Le premier, c'est La vie des saintes. Ah. Et l'autre, c'est l'exemple de la bienheureuse Ernestine. Cela vous plaît-il? Oh, oui, beaucoup. Vous n'avez pas connu votre mari grâce au train? Eh bien, si, c'était quand il était... Parce que moi, j'avais déjà allé à la gare, il y avait ma sœur qui était, c'était ma sœur qui était à la gare de son sac, là. Alors, moi, j'étais jeune et puis j'allais l'accompagner, tout ça. Là, c'est bien là que j'ai connu mon mari. C'était les cosmonautes de l'époque, ça. Alors, figurez-vous, ceux-là, ils savaient qu'il y avait une noce à Saint-Hilaire-Luc. Ils ont planqué l'autorail là, ils serrent bien les freins, puis ils partent au bord de Saint-Hilaire, où la noce existait. Ils y ont bu, ils ont dansé, ils ont mangé les pâtés, c'est pas qu'ils ont fait. Et le lendemain matin, le chef de gare, il se lève, il entendait sur les voies que ça faisait tac-tac. Tac-tac, tac-tac. Il dit, mais oh, je suis malheureux. Il dit, monsieur, il est trop tard, ils sont partis.
Tout d'un coup, il reste là un peu embêté, il regarde sa montre, il dit, mais pourtant, c'est l'heure. Je suis en avance, là, comme des ados. Tout d'un coup, il entend des tac-tac, mais ça s'est rapproché de la gare. Mais quoi, il dit que il rentre que. Au lieu de partir, il rentre sur le Vic. Il fallait bien. Alors, quand il arrive à la gare, il voit qu'il avait tourné la machine, et les trois acolytes étaient partis boire le café chez l'un ou chez l'autre, au bistrot, c'est pas où. Et alors, quand ils sont revenus, ils ont pris ce qu'ils devaient prendre, quoi, et puis ils partent. Il dit, mais comment vous êtes, à quelle heure vous êtes rentré hier? Ah, il dit, on est rentré ce matin, on a eu deux ou trois pannes cette nuit. Il a mérité son nom de Transcorésien pendant la période de l'occupation. Parce qu'en 1943 et 1944, toutes les lignes de chemin de fer à voie normale avaient été coupées par le maquis dans le département de la Corrèze. Il ne restait qu'une seule qui fonctionnait, c'était le TACO. Quand on arrivait à la gare du Mortier, on était visité par le maquis qui nous demandait nos papiers. Un peu plus loin, avant d'arriver à la gare d'Espagnac, c'était des gendarmes. Mais à l'époque, comme il y avait une partie des gendarmes qui avaient rejoint le maquis et une autre partie qui était restée fidèle au gouvernement de Vichy, on ne savait pas qui en avait affaire, si bien qu'on ne disait rien. Un peu plus loin, et c'était en 1944, on tombait sur encore une troupe bizarre. C'était des Géorgiens, c'était je ne sais quoi. On ne disait encore rien. On arrivait à Tulle, contrôlé par les Allemands. C'est vous dire que le trajet de l'Aplot jusqu'à Tulle, ça a présenté un certain nombre de particularités curieuses. Et Taco n'a jamais eu la croix de guerre. Et il aurait dû l'avoir.